Pourquoi acheter une boîte de vache qui rit à plus de 4 euros quand tu peux le faire chez toi pour moins d'un euro? La recette est super simple et c'est des ingrédients qu'on a tous à la maison. Pour commencer, tu fais bouillir 1 litre de lait entier. Généralement, c'est les bouteilles avec les bouchons rouges en grande surface. Une fois que ton lait est prêt, tu rajoutes 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc et tu vas mélanger jusqu'à ce que la crème se sépare de l'eau. Une fois que tu obtiens cette texture, tu vas filtrer ce mélange et récupérer la crème. Tu vas la mettre dans un mixeur, tu rajoutes une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de beurre et tu vas mixer jusqu'à obtenir une crème bien lisse comme pour de la vache qui rit ou du fromage qui rit. Le sel, c'est selon les goûts, tu goûtes, s'il n'y a pas assez de sel, tu rajoutes. Et ensuite, tu mets ça dans une boîte hermétique que tu conserves au frais et tu peux t'en servir pour faire tes recettes ou alors tes tartines, tes briques, tu fais ce que tu veux avec, tu verras, c'est exactement le même goût que la vache qui rit ou le fromage qui rit. Régale-toi, bisous bisous.